Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Un communiqué du chef d'état-major général des armées lu ce lundi 21 novembre 2022 sur les antennes de la télévision nationale a annoncé la mise en place des commissions régionales d'enregistrement du dossier des candidats. Ceci en application du communiqué du ministère de la Défense nationale en date du 10 novembre 2022 relatif au recrutement citoyen guinéen âgé de 18 à 28 ans, jouissant de leurs droits civiques et désireux de servir sous le drapeau national. Le dit communiqué précise que ces commissions régionales d'enregistrement du dossier sont mises en place à la baie Cancan et Ndékoré pour les régions respectives de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée et de la Guinée forestière. Présidées par les commandants de la région militaire, ces commissions sont chargées de l'enregistrement des dossiers déposés par les candidats dans les régions. Cependant, les candidats de la Basse Guinée, région de Conakry et Kindia, feront le dépôt de leurs dossiers au camp Almani-Samori. Par ailleurs, l'ensemble du processus d'enregistrement des dossiers sera piloté sur le territoire national par le secrétaire général de l'état-major général des armées. Et bien, les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information.